Récemment, une violente confrontation entre les Rolling 50s et une bande rivale s'est soldée par une nuit de terreur à South Los Angeles. Des dizaines de personnes sont mortes dans les rues, devenues pour l'occasion un véritable champ de bataille. Il faut se décider à faire quelque chose. C'est pourquoi je me porte en faveur de la dépénalisation des drogues. Nous devons ôter l'appât du gain et pousser les bandes et les cartels à la faillite. Il nous faut taxer et réglementer la vente de drogue et investir les revenus dans l'enseignement et les cures de désintoxication pour ceux qui en ont besoin. La guerre contre les drogues est un échec. Il est temps de se rendre à l'évidence. Mon nom est Ron Lindsay et je suis candidat au poste de sénateur. Suzy est dans sa chambre. Elle est avec un client. J'espère pour lui que c'est un rapide. Enfoiré de salopard ! Tu me dois du fric ! Tu devrais pas fréquenter n'importe qui, Suzy. Oh, quoi ? Tu veux faire de moi une honnête femme, Ben ? Alors c'est quoi le problème de ta copine ? Elle a des emmerdes ? Ah, t'inquiète pas, tu peux parler devant eux. Nicole a rencontré un nouveau mec. Un DJ qui bosse au Candy Store. Une de ses amies est danseuse là-bas. Enfin bref, ce type lui a dit qu'il a du boulot pour elle. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de bouger son cul en musique. Elle a été passer le casting et depuis, plus de nouvelles. C'est quoi le nom de sa copine ? La danseuse ? Tina. Elle n'a pas une idée de ce qui a pu lui arriver ? Elle dit qu'elle en sait rien du tout. Soit elle sait rien, soit elle veut rien dire. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a peur de ses enfoirés. Je devrais peut-être lui taper la causette. Peut-être. Tu sais te montrer assez persuasif quand tu veux. Elle travaille au Candy Store ? Presque tous les soirs. Je sais que t'as essayé de convaincre Nicole de raccrocher. C'est une chic fille. Elle est clean depuis presque un an. Si jamais il lui est arrivé quelque chose, je te jure que... T'emballe pas. Je vais voir ce que je peux trouver. Bon, rends-moi le portefeuille. Quoi ? C'est pas le tien, et c'est pas non plus tes cartes de crédit. Suzy ! Ça valait le coup d'essayer. Vérifiez que vous avez toujours le vôtre, de leur feuille. Allez, en route, gros malin. Agent Evans, vous êtes déjà allé dans un club de striptease ? J'en ai déjà visité quelques-uns. On causera plus tard. Prenez ce qu'il vous faut et au boulot. Alors, comment on fait pour la trouver ? Vous avez entendu le patron ? On va se renseigner. On la trouverait plus vite en faisant une descente. Pour foutre la trouille à tout le monde ? Non, croyez-moi, il vaut mieux se la jouer discret. Je suis l'agent Barresi de l'inspection des services de la DEA. Mademoiselle Dixon m'a dit que vous attendiez mon appel. Nous avons quelques problèmes avec l'agent Guerra. Fraude et trafic de drogue mis à part, Guerra est l'unique survivant de l'attentat du 4 juillet. On dirait que c'est déjà clair pour vous. Il a un problème de jeu, ça on le sait, et nous sommes quasi certains qu'il est corrompu. Gardez un œil sur lui et voyez si de la drogue ou du fric disparaît. Et tant que vous y êtes, ramassez les portables de tous les salopards liés au cartel. Vous pouvez faire ça pour moi ? Je suis pas sûr. Vous le croyez innocent ? Pour moi, un gros blaireau de l'IGS comme vous n'a aucune idée de ce qu'un flic comme Eddie ou moi doit faire tous les jours sur le terrain. Je vous dis que Guerra est une planche pourrie. Vous voulez vraiment que ce soit ce fils de pute qui surveille vos arrières ? Candy Store, tout le monde descend. Laissez-moi négocier à l'entrée, ok ? Je sais garder mon sang-froid, c'est pas comme vous. Enfin, prenez pas mal. On est complet, mec. Désolé.
Allez, tu vas quand même pas refouler deux types qui sont prêts à claquer leur pognon. Il y a trop de monde à l'intérieur. J'y peux rien. Après, on chope une amende. Bon, écoute-moi, mec. Tu t'occupes bien de moi et de mes amis, et moi, je m'occupe bien de toi. Hein? T'as compris? Angel, c'est bon. Laisse-les entrer, je m'en charge. Bienvenue au Candy Store, messieurs. Mon nom est Dolores. Matez l'expert. Suzy a appelé pour me demander de vous laisser entrer. Je devais lui rendre service. Voilà, c'est fait. Maintenant, on est quitte. Pas de problème. On cherche Tina. Vous savez où elle est? Je connais pas Tina. Vous voulez faire une petite visite du club? Pourquoi pas? Le Candy Store est le meilleur club de Los Angeles. Nous disposons d'un bar, d'un service irréprochable, et le décor, comme vous pouvez le constater, est élégant, raffiné, très sophistiqué. Et en plus, il y a des meufs à poil. Y a quoi en haut? Les salles privées pour les clients VIP. C'est très tentant. On fera peut-être un tour plus tard. Venez, je vous accompagne à votre table. Voilà, asseyez-vous. Une de nos filles viendra vous voir dans une minute. Si vous souhaitez visiter les salles VIP, faites-moi signe. Tout est possible ici. Si vous avez de quoi payer et si vous savez vous tenir tranquille. Merci, Dolores. Vous inquiétez pas pour nous. Je connaissais toutes les putes de la ville, mais pas Tina. Faites un tour dans le coin. Si vous ne la trouvez pas, on se retrouve près des marches pour aller voir dans les salles VIP. Salut, tu me payes un verre? C'est toi, Tina? Tina, Gladys, Marie-Denis. Appelle-moi comme tu veux, chérie. Je cherche Tina. Ouais, alors bon courage. Tu veux que je danse pour toi, Trésor? Tu connais une Tina? Je connais une Trixie. Tu sais où est Tina? Salut, beau gosse. Moi, c'est comme... Je cherche Tina. C'est une Latina, proche de la trentaine. Latina? C'est pas une Latina qu'il te faut à toi. Non, mais je suis amoureux d'elle. Ah, tu sais ce que c'est? Amoureux? Ton grand amour est en haut. Elle vide les couilles d'un gros porc pour se payer des nouvelles pompes. J'espère qu'elles sont chères, au moins, ces pompes. Wow, 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 vous allez où, là? Relax. C'est Dolores qui nous envoie. Ma femme, elle adore mater. Et c'est qui, le vieux? Lui, c'est le docteur McCall, notre conseiller conjugal. On cherche à résoudre des problèmes intimes, si tu vois ce que je veux dire. Un conseiller conjugal, hein? Ok, si Dolores a donné son accord... C'est vous, mon prochain rendez-vous? On cherche Tina. C'est toi? Et pourquoi vous la cherchez? Je t'ai posé une question. C'est quoi ton nom? Raven, ok? Je suis pas Tina. Je peux la trouver où? J'en sais rien. Elle pourrait être n'importe où. Il y a des tas de filles ici. «
Vous voulez passer l'un après l'autre ou tous ensemble? On cherche Tina. Ouais, je connais pas Tina. Oh. Tina, où est-elle? Je sais pas, en haut. À l'étage. On va se défouler un peu. Botte ton cul dans les règles. Oh, fils de pute! Tu te crois où, là? Je vais te baiser la gueule, ma salope. C'est le moment de se faire plaisir. Viens là, toi. Derrière! Botter ton cul dans les règles. Le moment est venu d'envoyer ces fils de pute à la morgue. C'est l'heure d'un bon passage à tabac. À gauche, jusqu'au cou. On y est. Allez, on n'a plus beaucoup de temps. C'est quoi ce bordel? Vous êtes qui, vous? Comment vous connaissez mon nom? Tu te souviens de Nicole Hart? Bien sûr que oui. Il faut qu'on parle, Tina. Maintenant! J'ai appris que c'est vous qui aviez présenté Nicole Hart à l'un de vos amis, juste avant sa disparition. Je veux connaître son nom et je veux savoir où je peux trouver Steve. Va te faire foutre! On va pas y passer la nuit. C'est quoi son nom? Hey! Ah! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ah! Son nom, Tina. Ok. Javier. Oh, c'est lui qui gère le club. Et il est là? Oh, à l'étage, dans son bureau. Il va me tuer! Menotte. Il faudra d'abord qu'il nous flingue tous les trois. Espérons qu'on tire mieux que lui, ma chérie. Je crois qu'on a trouvé le bon endroit. Chut. Attendez mon signal. Allez! Police, à terre! Hé, Patrick, montre-toi! En bas, allez! Il descend! Le dernier. Les lâchez pas. Javier. Les laissez pas sortir. Stop. Butez. Fils de pute, il est entré dans le club. Bougez-vous. Abattez-les. Bon, bah, pour vous en occuper, on dirait. On est bon? Attention! Mettez-vous à l'abri! Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. Tu m'entends? Les laissez pas partir! Butez-les! Salope! Là! La sortie! Suivez-le! Oh, enfoiré! Tirez! Attention! Un putain de mort! Thank you.
c'est l'heure de partir. Les voilà! Ouvrez l'œil! En position. Maintenant! Police, tout le monde à terre! Oh. Ah. Ne laissez pas sortir! Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée. Les lâchez pas! Je le veux vivant! Javier! Putain, vous vous entraînez avec ce truc au moins? Mettez-vous à l'abri! Suivez-le! Cherchez un abri! Ah, l'enfoiré! Derrière! Prenez-les par la gauche! Courez! Attention! Je vais te défoncer! T'as emmerdé le mauvais gars! J'enivrerai de sang mes flèches et mon épée se repaîtra de chair et je me... La ferme! Vous entendez quelque chose? Le voilà! Suivez-le! Javier, t'es là? Sors de ta cachette, salope! Ici, peut-être. Tout ça! Passez par la droite! Sans nous, vous seriez à la morgue, je vous signale. Par ici. RAS! À l'intérieur!
Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. Lève-la! Attention! Moi, je pas souvent. Laissez-moi ça! Sors de ta tête! Dégueu la tête! À droite! Abattez-les! Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée. T'as emmerdé le mauvais gars! Vous voyez quelqu'un d'autre? Chopez-le! Bon Dieu! Ce con va se faire buter! Attention! Fils de pute! Je te tiens, enfoiré! Je t'explique les règles du jeu, connard. C'est comme à Confesse. Je pose les questions et toi tu réponds. Et si la réponse me plaît pas, c'est mon pote qui prend le relais. Bah t'as qu'à laisser la petite s'occuper de moi? Ton pote là, c'est pas mon genre de nana. Je crois que ça commence plutôt mal, Javier. Je te chie dessus! Ouais, et ça va pas aller en s'arrangeant. Reconnais que tu l'as cherché, celui-là. Merde! Je crois que tu ferais mieux de te mettre à table, non? Ok, ok. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tina nous a raconté qu'elle t'avait présenté Nicole. Tu te rappelles, Nicole? Tu l'as tuée? Kidnappée? Vendue à Aranha? Au cartel Mendoza, peut-être? Écoute, si je te dis quoi que ce soit, je vais me faire exploser la tronche! Et si tu dis rien, c'est moi qui t'explose. Tu vois, je te laisse le choix. Déconne pas, si tu me tues, tu la tues aussi. Mais si tu me dis où elle se trouve, vous avez tous les deux une petite chance de vous en sortir. Oh ! Dans ce cas, tu la retrouveras aux portes du paradis, du con. Ça m'étonnerait. Les connards comme Javier passent l'éternité à brûler en enfer. T'en as pas eu assez, mon père? Oh, ça part.
Bon voyage en enfer, Javier. C'est bon. Je me contente de les trouver, moi. Je leur fais pas de mal. Quoi? De combien de filles on parle? Je sais pas. 10, 20. Nicole. Elle est où, Nicole? Ils la tiennent. Où ça? Bordel de merde! Le cartel va me faire abattre! Ok, arrêtez! Ils sont du côté du port! C'est tout ce que je sais! Je vous jure! Pitié! J'appelle le SWAT. On peut plus attendre, là. Inspecteur McCall, je m'inquiète un peu du déroulement de cette opération. J'ai lu votre dernier rapport. Ça se lit comme un roman, hein? Inspecteur, cette unité d'intervention est sous ma responsabilité. Et je dois être au courant de chaque opération en cours. Apprendre les faits après coup, ça ne m'aide pas à faire mon travail. Vos prouesses à Sequoia National Park auraient pu avoir d'excellentes retombées dans la presse. Miss Dixon, c'était une opération secrète. Personne ne doit savoir qu'on était dans le coup. Le but était justement d'impliquer Aranya. Manipuler l'opinion publique est aussi primordial. Il nous faut une victoire, McCall. Quelque chose qui nous donne bonne presse. Sinon, les gros pontes vont vite se dire que cette unité d'intervention ne sert à rien. Et le démantèlement d'un réseau international de prostitution, ça irait? Ce serait assez pendant pour vos journaleux. Un réseau de prostitution? Je me dirige vers le port de LA en ce moment même. Le SWAT est aussi sur le coup. Bien, mais ne faites rien avant mon feu vert. Je vais convoquer la presse de mon côté, c'est clair? Ne bougez pas avant mon appel.